Bonjour, bonsoir à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la V-Ville où on va faire quelque chose d'assez important aujourd'hui. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer. Déjà. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire, bon, c'est pas grave. Retirer tout, et pareil sur ce conteneur-là, retirer tout. Donc celui-là est vide, on peut le détruire. Celui-là, on peut le détruire. Et celui-ci, on peut le détruire. Donc là, c'est 10 et 10, 20. Ah ben là, il y a un héros qui est mort, encore une fois. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça, c'est fermé. Toute cette partie est fermée. Donc tout ce qui est exploré à ce niveau, bien, est exploré. Ce qui veut dire que si tout est exploré, qui est exploré, est exploré, exploré, ça veut dire qu'on peut descendre d'un étage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est demander 25 morceaux de pain en tout temps. Donc on va demander 20 blés pour faire ça. Ça va être un peu limite sur mes champs de blé, mais on va voir si ça fonctionne. Et l'idée derrière ça, c'est ici, là, de mettre un baril de nourriture là. Donc, du coup, si on a un baril de nourriture ici, en théorie, enfin, et qui se remplit aussi, ce qui n'est pas gagné non plus, normalement, on ne devrait plus avoir les héros qui vont se retaper les 8 étages à monter pour venir chercher à manger. Ils ne vont plus monter qu'un tout petit peu. C'est vachement plus cool et mieux. Faut en même temps des pièges, on va mettre quoi? On va pas mettre grand chose en piège. On va juste mettre ça. Et rien ici. Voilà. Et puis des logs, trappes ici. Et ça devrait largement suffire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va mettre tout de suite une échelle. Et on va aller tout de suite ensemble, tout à l'heure, dans quelques secondes, visiter peut-être le tout dernier étage. Déjà, est-ce que ça c'est tout plein? 10 et 10, c'est plein, et là il reste des trucs, donc en théorie, il devrait me les amener tout en bas ici. En théorie. Parce qu'en pratique, ça risque de ne pas être la même blague. Mais ça, on va voir. Eh si, 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 si. Oui, ça. Oui, il l'amène, il le pose et il le reprend immédiatement puisqu'il a faim en arrivant en bas. Ça, c'est pas pratique. C'est pas grave, on va voir. Peut-être qu'il est parti en ayant déjà un peu faim et que ça n'a pas fonctionné parce qu'il avait déjà un peu faim. C'est possible. Déjà, on va attendre de voir les. Voilà, un piège et une échelle. Donc, si lui, dès le moment où il va poser l'échelle, les zéros devraient. Non, en fait, c'est trop bas. Donc, ils n'ont pas le temps d'amener. Ça fait le deuxième. Donc, je suis en train de me dire que c'est pas forcément possible. Non, j'ai pris ça pour un vitoyen qui amenait quelque chose. Mais non. En fait, c'est bizarre pourquoi les héros ne descendent pas. Ça me paraît étonnant, avec un T comme dans wagon. Il va y avoir une réponse. Mais on verrait ça tout à l'heure. Allez, maintenant qu'il y a quelques pièges, une échelle, il n'y a plus qu'à attendre que un des zéros se décide comme un grand à descendre ici. Et puis là, ce baril va finir un jour, peut-être éventuellement, à être rempli. Parce que normalement, ça il est plein, ça il est quasi plein, et il y a plein de bouts de pain et de machins et bidules
et autres trucs, donc en théorie, s'il y en a un qui mange, ça devrait le faire. Ah, voilà. Altalos Danger est descendu et commence à visiter le dernier des étages. Oh, il y a des trucs jolis, ça. Gascon the Ghoul, c'est un aim. C'est un aim, donc il va défoncer mon magicien. Ça, je le sens venir, voilà. Destroy the human corpse. Et donc, nous avons Uru, Son of je ne sais pas quoi, Ghoul, Sneaky Ghoul, Nuep, encore un aim. Et Werewolf. Donc, il y a plein de names en dessous. C'est sympa, et ça montre qu'on arrive, j'espère, à la fin. Après, bien 40 épisodes de cette saison-ci, et en tout, je pense qu'on doit pas mal avoisiner les 80 épisodes de Towns. On arrive à la fin. On va essayer de faire, quand ça sera un peu plus libre, on va tenter le piercing dans un petit coin ici pour voir ce que ça va donner. Mais normalement, ça devrait être bon. Alors, ce que je voulais mettre, c'est mettre d'autres pièges ici. Un piège ici, un piège là, un piège ici, un piège là, un piège là. On va mettre des lock traps un petit peu partout par ici aussi, là là là. C'est très bien, ça c'est très bien. Et donc ici, il défonce la tronche de Sneaky Wizards. Alors lui, il devrait se faire défracter la tronche. Oh, niveau 9, niveau 10, niveau 11. Et donc, voilà, niveau crevé. C'était, comment dire, plutôt extrêmement prévisible comme truc. Bon, l'avantage, c'est que mes héros arrivent à une vitesse... Oh, il y a une pomme, il y a une pomme, il y a une pomme. J'avais pas prévu ce petit problème technique du fait que forcément mes villageois vont essayer de remplir le baril. Du coup, c'est grave pas la bonne idée d'avoir le baril à cet endroit-ci. C'est vrai que j'aurais dû réfléchir un petit peu et mettre plutôt le baril plutôt par ici. Donc, prepare food, baril. Ici, on va le poser là. Et on va détruire tous les corps. Et nous avons perdu dans le tas 5, 6, 7. Nous avons perdu 5 vitoyens. Ah bah super, lui il pose sa pomme là quoi. Oh, il n'y a plus de baril, c'est pas grave, j'ai posé ma pomme ici. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ici? Il y a une ghoul head of the oak. Une ghoul head normale. Et des machins qui sont visitationnés. Parce que si on ne peut pas poser des barbarismes absolument partout, c'est vachement moins drôle. Il faut savoir barbariser tout. Et bah lui, forcément, il a pris le truc pour le ranger. Et du coup, est-ce que j'ai toujours des héros, moi? Oui. 47, j'ai des vitoyens qui sont arrivés sans même que je les vois. Ici, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'on en est au niveau bouffe. Bouffe, bouffe, bouffe. Bouffe, ça va comme il faut. Là, il y a de la farine, là, il y a de la farine. Donc, on va bien faire venir d'autres zéros. Déjà, ce qu'on va faire... C'est un truc qui est énervant, mais qu'on va faire, donc on se retrouve juste après ça. Voilà, maintenant c'est nettoyé, donc on va continuer à fabriquer des petites baraques. Je crois que c'est celui-ci la couleur qu'il faut mettre. Il faut mettre un mini-mur ici, pour commencer. Une personal room là, une... Ici, une par là, une ici, là, et puis ici,
Et puis pour le moment, ça va suffire largement. On va mettre des petites fenêtres par ici. Tant qu'à faire, prévoyons ce qui est possible à prévoir. Il faut absolument que je pense à supprimer ça. Hop, on va mettre des portes là. Attention, mauvaise couleur. Donc, du coup, on va poser des lits en attendant. C'est avec un peu de chance, vu la pub que j'ai fait pour Lavéville, ils vont peut-être venir avant même que je les... que j'en demande de... enfin, avant même qu'ils aient des chambres complètes. Des chambres avec vue. Voilà. Donc, du coup, le mur, c'était pas celui-ci. C'est peut-être celui-là. Et celui-ci doit être possiblement celui-là ou celui-ci. On va dire celui-ci. Voilà. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, ah bah lui il est mort. Je viens voir que... ah oui, Berserker. Genre, ah ouais quoi. Ah mais il se... ah quoi, c'est tout petit ici, c'est tout petit, tout fini. C'est déprimant. Sneaky Ghoul, Hobgoblin Kaiser. Sneaky Ghoul. Alors, mes murs, à quoi ça ressemble? Ça ressemble que je pense qu'il va falloir tailler de la pierre aussi. C'est où ce qu'on en est des... effectivement, les stocks de pierre sont minimaux. Donc où est-ce qu'on va pouvoir tailler de la pierre sans que ça s'écroule sur notre tête? On va tailler de la pierre ici, c'est bon? Attends, là je suis complètement paumé. Ah là il y a plein de fantômes du passé. Il doit y avoir des human remains par là. Je ne les trouve pas. C'est pas grave. En même temps, c'est pas grave. On remonte tout en haut. On attend que ça lag. On descend d'un étage. Et c'est là que j'ai demandé à miner. C'est très bien, c'est parfait, c'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'il faut. Là j'ai des trucs qui sont posés n'importe comment pour le moment. Mais ça va, c'est pas si catastrophique que ça. Donc ça c'est visitationné. Ça c'est crevé. Attends, ça c'est un vitoyen normal. C'est galère de... non, c'est un héros, c'est bon. Lui il devrait crevationner. Ah non, ils étaient deux, j'ai confondu. J'ai cru que c'était deux ennemis sur un seul et que lui était derrière. Non. Ça c'est bon. Là va y avoir un problème technique assez monstrueux dans pas longtemps. Ah, il y a de la bouffe dans le baril tout en bas, donc ils n'auront plus à remonter jusqu'en haut pour manger. C'est un bon point. Donc ça c'est ce mur là, sauf que je me rappelle plus si c'était celui là que j'ai pris ou pas. On va dire que c'était celui-ci. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Ah, il y a un héros qui a dû encore recrever. C'est bon, là ils me font du caillou. Alors on descend tout en bas. Où est le dernier mort? Ah oui, il y en a deux morts. Hop. Alors. Ça c'est bon. Tyr est arrivé. Donc là, il devrait construire ça. En théorie, c'est 48 plus 2, je suis à 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Non. Hein, comment dire non? Hop. Voilà, je n'ai plus d'oreilles. C'est habituel. Pour ça... Nuzeb the Goblin King. Donc j'ai déboîté le Goblin King. Et j'ai même pas vu qui c'était. Wouh, Almighty Ogre. Ça, effectivement, il a l'air d'être vachement plus Almighty que le reste. C'est dommage, je n'ai pas vu le Goblin King. Blue Slime. Oh, c'est juste un Blue Slime normal. Je suis déçu. Ah bah oui, du coup ici, c'est terminé ici. On va se tenter ceci.
perçage de trou ici. Six coups. The Wolf. The Almighty Ogre. Mais il est surpuissant, lui. Non, en fait, The Almighty Ogre est vachement plus puissant que lui. Il n'y a plus qu'à attendre que quelqu'un se décide à venir persasouiller ça pour voir si... si on continue à descendre ou pas. S'il me semble, de mémoire, il n'y a que 9 niveaux. Mais je ne suis pas certain du tout de ça. Donc du coup, on verra bien. Ça serait bien qu'un vitoyen se décide à venir descendre ici. Est-ce qu'il reste de la bouffe ici? Un peu. Où est passé The Almighty Ogre? Ah, il est là, c'est pas le même endroit. Das explique... Effect lycanthropy. Paf. Bleeding, bleeding, bleeding. Ah, bon. Ce fut rapide et très expéditif. Donc on va retourner voir The Almighty Ogre. Et là j'ai vraiment envie de savoir si est-ce que à cet endroit-ci, à cet étage-là, on a aussi un genre de donjon final, quelque chose comme ça. Ah, encore un Almighty Ogre. Je ne lui fais absolument rien quand je le tape. C'est terrifiant. Piercing. Effectivement, il y a encore un niveau, donc ce n'est pas le niveau 9, le niveau final. Ça devait être le cas dans une des anciennes versions, mais ce n'est plus le cas. Donc j'allais dire l'épisode final, tout ça, mais non, pas du tout. Je pense que par contre, on va se laisser par ici pour aujourd'hui. Et on va voir très bientôt... Mais déjà, il va falloir... extrêmement agrandir à l'étage au-dessus pour avoir beaucoup plus de héros. Donc je pense que je vais... je m'en rappelle plus. Ouais, ça connecte, mais je ne sais plus lequel c'était. C'est pas grave. Ce n'est pas important. Donc pour la prochaine fois, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais bien agrandir la ville au-dessus, en fait. Pour avoir beaucoup plus de héros, et on se revoit la prochaine fois pour explorer... bien, toutes ces catacombes en dessous. Une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit. Bonjour aussi, éventuellement, peut-être. Comme d'habitude, hein, prenez ce qui correspond à vous et on se revoit bientôt pour plus de folie et plus d'exploration. Allez, salut!